Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Comme chaque jour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette aventure incroyable et mémorable évidemment de Resident Evil 8 Village avec l'épisode 14. Et je tiens d'ores et déjà à tous infiniment vous remercier. Vous avez hissé les 13 premiers épisodes en top tendance, c'est incroyable, c'est historique et à chaque let's play, vous me faites faire des dingueries. Merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent le temps de poser un j'aime et un commentaire. Encore une fois, on ne cessera de vous remercier vers l'infini et l'au-delà. Allez, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir, prenez la 4K 60 FPS si vous le pouvez évidemment, ça sera toujours plus stylé et on est parti pour la suite de notre aventure. Me dire qu'on est peut-être, je ne sais pas, mais déjà à la fin, ça me fait mal. En tout cas, quel bonheur de se retrouver. Allez-y, à chaque épisode. N'hésitez pas, c'est un peu le rendez-vous quotidien quand ça s'arrêtera. Ça fera mal au cœur à tout le monde. J'ai du nouveau en stock. Je peux le comprendre. Alors, il a du nouveau en stock, on va aller voir ça. Quartz, on va le garder au cas où. Le crâne qu'on a trouvé, 10 000, c'est pas rien quand même. Et la bête cristallisée aussi, hein, on en a chié pour le tuer, 20 000, c'est clairement pas rien. Donc tout ça, on vend. On s'est fait pas mal de thunes et il a du nouveau en stock. Ouais, il s'est un petit peu foutu de ma gueule. Alors, on va acheter des munitions. Je fais rarement ces choses-là. Quoique, attendez, j'ai peut-être une idée. Vu que ça avait rechargé mon sniper d'améliorer sa capacité, autant l'améliorer et comme ça. Une modification. Voilà, comme ça va le reload complètement. On va prendre ça aussi et la capacité du pompe. Et ça, c'est des munitions gratuites. Je peux vous dire qu'on prend. Quoi d'autre? Mais j'ai envie de vous dire rien d'autre. On va voir si la théorie est bonne. La théorie est très bonne. La théorie est incroyablement bonne. Donc on a rechargé toutes les armes entre guillemets à l'œil. Ça nous coûte une amélioration, vous l'aurez compris, mais on prend, si tu vois ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, je suis à deux doigts d'augmenter votre vitesse de déplacement. Augmente grandement votre vie, c'est fait. Réduit grandement les dégâts subis. Lorsque vous vous protégez, ça m'a l'air pas mal, cette petite dingue, non? Vous en pensez quoi? Augmente votre vie encore? Mais ça ne s'arrête plus, dites donc. Réduit les dégâts lorsque vous vous protégez. Et augmente légèrement votre vie. On peut augmenter la vie à gogo, là, c'est totalement dingue. Allez, il nous faut un dernier poisson. Et on va viser la vitesse de déplacement, parce que clairement, ça me semble bien plus que pas mal. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Mais oui, j'ai tout ce qu'il me faut, mon frérot. Hé, on se retrouve tout à l'heure! Je commence... Vous savez quoi, ce vendeur, je le kiffe. Je vous le dis, je le kiffe, ce vendeur, voilà. Il y a un petit truc qui se passe entre lui et moi, et peut-être même lui et nous, si vous êtes d'accord avec moi. Alors, rouge, bleu, jaune et noir, on est parti, on va y arriver tout cela. Avité, c'est tôt. Merde, y a pas de courant. Eh ben, on ne va pas vider tout cela. Rétablir le courant, bah oui, me semble paraissait insensé, insensible. Bon, bah c'est parti. Comme disait un grand homme, here we go again. Ni retour. Il a dit que la sortie était sous l'eau. Compris, Ethan, j'ai compris. Me le rappelle pas. Et à qui tu parles comme ça, Ethan? Parce que c'est moi. C'est toi, c'est moi, moi c'est toi, Ethan. Qu'est-ce que tu nous dis là? Il a dit que la sortie était sous l'eau. Il a dit que la sortie était sous l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, je me suis déjà perdu là. Oh! On a à peine commencé l'épisode. C'est incroyable! Ah, il y a un autre chemin! Catastrophe, ma chérie! Mais c'est pas vrai, il dort encore celui-ci! Ben oui, mais c'est de l'autre côté. On est à l'autre chemin, c'est bon. Allez! On l'entend ronfler à 4 km celui-ci. Eh, mais en fait, attendez. Je viens d'avoir un truc. Mais c'est Ronflex en fait, le man. Il est aussi balèze que Ronflex. Il dort comme Ronflex. Alors, cette manivelle est dans un sale état.
Quand je l'utilise, j'ai toujours peur qu'elle me reste dans les mains. Et il ne faudrait pas que ça arrive. Parce que la seule qui nous reste est au niveau du deuxième moulin. Des poules ! J'arrive. Une. Attends, on prend ce délicieux. Oh, trois ! Ça ne s'arrête plus ! Voilà. On prend cette délicieuse volaille. Ok, on est bon. Un petit peu de ferraille qui traîne par-ci, par-là. De-ci et de-là. Oh, Sugoi. Sugoi. Ok. Ah oui, mais oh là 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 là, faut regarder partout s'il n'y a pas des putains de chèvres mortes en bois, là. Il serait capable d'en mettre, mais littéralement partout. Je regarde les hauts des bâtiments maintenant, hein, depuis que j'ai eu mon traumatisme dans le village. Qu'avons-nous là? Tiens. Encore what? Des petites munitions. Ok, on a enfin la manivelle qui va nous permettre d'ouvrir bon nombre d'environnements, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Vous entendez? Écoutez. Il y a une chèvre. Il y a une chèvre. Petite saloperie. Tu crois que je ne t'avais point vu? Vous avez vu? Eh! Malin le lynx! Ok. Ça en prend. Attends, on va peut-être tourner, je ne sais pas ce que ça fait tourner d'ailleurs au passage. Eh ben celui-là. Merde, ok. Putain, j'y crois pas. Oh, oh non! On n'a rien fait tourner là! C'est terrible! Bon. Descendons en enfer, allons voir ce qui se passe en bas de ce moulin. Ok, pour l'instant pas grand chose. Hein. Il est dans le deuxième moulin, donc il n'est pas là de toute évidence. Ah! Le deuxième moulin est un lot de boue. Un poisson? Du poisson? Des poissons? Non? Putain, je peux pas les prendre. Si près, mais à la fois si loin. Ok. Des munitions de pistolet, on prend. Incroyable. Alors attendez. Parce que ça me rappelle un peu le marais de Resident Evil 4 encore. Mais oui. Oh, il y a du poisson gratuit. Ok. Bon. De toute évidence, je pense qu'on va devoir battre le poisson giga strong là-haut, là. Ah oh là là. C'est pas vrai. Je tombe dans l'eau, je suis mort. On va pas tomber dans l'eau, Ethan. On va juste courir. Wouh. Bah, je suis mort. Let's go. Ah oh putain, j'ai eu peur. Ah non, en vrai, je suis vraiment mort si je tombe dans l'eau. Incroyable. Bah alors. Dites donc. Il m'a fait peur. Mais vous croyez que je dois lui casser la gueule si je puis me permettre? Oh putain. Ok. Cassage de gueule ou pas là? Comment on fait? Je ne vais pas tomber mon pote. Il est là. On va le laisser passer. Voilà, pas de sous. Très bon ça, très bon ça. Ah! Oh putain de merde! Allez, tombe! Faut que j'arrête ce cri, c'est horrible. Ok, on va passer par là. Oh putain. Ah oh là là, mais c'est pas vrai. En haut et en bas. Je I don't understand. On back, j'ai peur. Ok. Très bien, très bien. Ce qui s'est passé.
Ça sert à rien de lui tirer dessus à celui-ci, on est d'accord. On est d'accord. Là, il est ridicule. Il est ridicule, ce poisson. Arrêtez vos... Ah ! Oh, mais putain, bah ouais, mais... Il est ridicule, mais par contre, il gueule beaucoup, hein. Pas de panique. Même si tout à l'heure, il... Oh, ça, je prends, c'est une belle plante. Une belle plante. J'aime les belles plantes. C'est bon, arrête. Tu gueules pour rien, là. Tu t'humilies, voyons. Ok. On va pousser ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais enfin... Bah oui, mais ça fait un chemin, mais c'est tellement évident. Ah bah... Ok, c'est parti. C'est parti. Ok. Ah. Oh, c'est chiant. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est... Ah, il y a des asticots. Oh, Ethan, on a vu pire, on a bouffé de la merde, hein, souviens-toi, chez les Bakers. Incroyable. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas me foncer dessus, là. Mais non. Ça, c'est que pour impressionner la galerie, ça. Bon, ça me fait chier avec vos ennemis malades, là. Quoi? Ok, j'ai... Des munitions de Magnum? Mais je n'ai pas de Magnum! Ok. Ah oui, putain. Ah, mais c'est embêtant. Je suis un homme mort. Ok. La pression est à son comble. Qu'est-ce qu'il fout là? Le con. Wouh. J'étais dans sa bouche, oh mec. Je suis meilleur. C'est lui le poisson. Tu vas la fermer, ta gueule. On y va? Tout de suite? Maintenant? On y va. Oh, je suis mort. Regarde-moi! Ah! Voilà sur les filles. Ah, Barracuda! Ok. Wouh! Il faut arrêter! Il est que dans. Le mec qui fait du spectacle! Mais frérot, oh! On n'est pas au puits du fou, calme-toi! N'importe quoi ce que tu fais là! Bon. C'est bon, on a compris. Tu sais sauter. Tout ça pour ça, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vient de faire là, dis donc? Qu'est-ce qu'on vient de branler là? Oh! J'ai rien compris. Ah, d'accord, on a dû faire tomber un chariot. Ça m'impressionnera toujours. Mais il vient d'où, chariot? D'où Jésus? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Cascade? On est bon. Aucun problème. Ici, on est safe. Est-ce que je suis... En vrai, je peux le tuer ou pas? Je me pose le doute. Ma vite, évidemment. Ok. Ah, il y a encore une petite assiette en bon état. On a compris. Tu sais sauter, c'est super. Tu sais plonger. Tu maîtrises le dos crawlé. Voilà, bon, GG, hein. Tu me crois plus. Hop, ça. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais hop, c'est Bibi qui régale. Ouah! Carrément! Pêche, on dirait. Carrément! Faut pas que ça reste là! Bah si. Ouah! Wouh! Allez! Mais c'est pas vrai! Mais quoi, tout ça? Attends, on fait tout ça pour une manivelle. Et la récompense, elle a intérêt à être glorieuse, je te le dis, mon pote. Allez, on va pas faire les crevards. La récompense, elle a intérêt à être glorieuse, je te le dis, parce que si c'est pour une manivelle, tu te la fous là où je pense, mon pote. Bonsoir. Voilà, s'il arrive à sauter jusqu'ici... Il arrive! Bien joué! Mais c'est beau, il faut vraiment que je ferme ma gueule!
Attends, bah on va la réutiliser ici, bah les couilles. Bah oui, bah voyons. Faisons preuve d'intelligence et de réflexion. Il me manque toujours deux doigts et ça c'est terrible, hein. J'ai presque envie de dire que je suis à deux doigts de trouver cette énigme. Ah, Ethan, qu'est-ce qu'on rigole, toi et moi. Allez, un peu. Quoi? Ok. Canalisez-vous, s'il vous plaît, restons calmes. Faut vraiment qu'il ferme sa gueule, l'insecte en bas, là, le poisson de mes couilles, là. Je vais le démonter. On se casse. Bye bye, hasta la bueno. Voilà, aucun sous, mon pote. Ethan, easy. T'as flippé, Ethan? Personne ne flippe ici. Bon, mine de rien, on n'en parle pas assez, mais on a quand même croisé Chris Redfield. Et c'était incroyable, ouvrir les vannes, mais on va les ouvrir sans mauvais jeu de mots. Vous l'aurez compris, vanne, blague, oh là là, putain, qu'est-ce qu'on rigole ici, Ethan. Je sais pas ce que t'en penses. Quoi? J'ai cru que j'allais mourir. Oui, on a croisé quand même Chris Redfield, et on n'en parle pas assez. Badass comme toujours, évidemment, il n'a peur de rien, mais... tellement stylé, tellement stylé. J'aimerais savoir si on peut venir à bout du poisson, moi. Il est où, le poisson? Chemin arrière? Non, c'est ça? Attendez, je... Ah non, on a pris la tyrolienne. Je ne comprends pas. Attendez. Non, il y avait quelque chose ici? Mais non, mais c'est ridicule, voyons. Mais qu'est-ce qu'on fout là, Ethan? Mais c'est... c'est un bordel, c'est un moulin qui mène à un autre moulin, qui mène à un moulin. C'est terrible. Et là, je vous avoue que ça mouline, ça mouline. Je... on va tenter un coup de Trafalgar, connu en 1830. Faut que j'arrête mes coups de couteau. Non, mais c'est voué à l'échec à chaque fois. Je passe pour quelqu'un de totalement débile, ça va pas du tout, ça. Bon, bah attendez, mauvais chemin là, je me suis trompé, j'aurais jamais dû me laisser tomber si je puis me permettre. Remontons, c'est pas grave, remontons. Là je ne comprends pas. Ah putain, ouais oui, mais... alors ça c'était bien caché ça. Ici on n'avait rien à part quelques petites poules, évidemment. Et on a le vendeur, donc ça c'est cool. Ok, très bien. La porte! Oh bonjour! Puis-je choisir quelque chose pour vous? Mais bien sûr! Alors! Fragment de cristal, 2 mules, bon allez, c'est ça de gagner. L'œil, je crois que c'est mort, hein. On le vendra, vous l'aurez compris. Collier incomplet, mais je n'ai pas la suite. Peut-être qu'on la trouvera plus tard en ville, évidemment. Je reviendrai. Quand vous voulez. Mais oui, mais je reviendrai. Ah. Alors attendez, ça casse les couilles, ça. Connerie à la con. Ok, bon, c'est pas les plus dures énigmes, hein. Vous l'aurez compris. Ah, mais il est cassé à droite, c'est terrible. Putain. Ok, faut que je tourne la tête. J'ai compris. En fait, le dessin est totalement inversé. On est bon. Attendez, ça me stresse. Ok, là, c'est blanc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Eh ben voilà, allez. En fait, il faut tourner la tête parce que le noir, c'est juste l'ampoule qui a, je suppose, grillé. Et donc, le dessin est totalement à l'envers. Hein? Vous l'aurez compris. C'est l'histoire de la vie. Bon! On a enfin notre manivelle. On se débarrasse de l'eau. Super! Alors
Alors attendez, il y avait, si je puis me permettre, un autre coup de manivelle à faire. Vous croyez qu'on peut le battre? Ah mais c'était un beau village en fait ici, c'était une petite partie du village, bah dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Une inondation, j'ai bien compris, enfin grand, hein. Ok. Oh. 1er octobre, il fait beau. Mère Miranda m'a apporté 5 villageois, comme je lui avais demandé. Je les ai endormis avec un liquide, et puis je leur ai mis le cadou dans le ventre. J'ai hâte de voir le cadou grandir dans leur bide. 2 octobre, il y a des nuages. 4 des villageois sont morts ce matin. Il y en a un qui est presque devenu un lican. Alors je l'ai envoyé à mon labo, dans la montagne. J'ai encore raté. Maman, elle veut des enveloppes plus fortes. Mais moi, j'en trouve aucune. Il me faut plus de villageois. Bon. Toute évidence, vous l'aurez compris, c'est des petites expériences, n'est-ce pas? Des trucs un peu léchés. Bon. Ça, je vous le dis, je l'équipe immédiatement. 17 balles. 17 balles, mon petit moustique. Alors, j'aurais dû utiliser... Ah ouais, j'étais con encore. J'aurais dû ne pas me presser et utiliser les 9 balles. J'étais con, je m'en veux. Oh, regardez, dites donc, qu'est-ce qu'on a là. Bon, là, c'est... Vous le savez, hein. Autant de bordel, c'est que c'est la bagarre. Hein. La seule issue, c'est évidemment la... Ah! Okay. Headshot. Aïe. Oh non. Mon état est critique. Ok, viens mon pote. Ah, tu veux faire le dingue, hein? Tu veux faire le dingue, hein? Tu crois que je ne l'avais pas vu, celui-là, hein? C'est la vie, c'est la baby! Ouh! Quoi? Bon, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi critique pour moi. Alors, quoi? Quoi? Ah! Ah! Eh! On a l'abri. On est à l'abri, monsieur. Ça fait pas mal, hein, on est d'accord. Wouh ! Il est où ? Je suis là, abruti! Ils sont pas les coups. Il est en battage de bombe! Ok. Ah! Il est en battage de couilles. Ouh! Aïe! Non, tu triches. Faut que je m'abrite. Ok. J'ai la brille là. À chaque fois, je doute. Oh non, t'es pas cool, bro. Non, j'ai juré, t'es pas cool là. Avec ta morgue là.
Allez, viens, abruti. Il vient. Il vient vraiment, le con. Ouh. Oh là là, j'esquive derrière l'écran. J'esquive mes couilles. Abruti. Allez, viens. Voilà. Ne regarde pas comme ça. C'est bon, là? Ça a l'air bon, là. Mais je... Bah oui, je veux bien, mais... Si... Viens, on arrête, nous deux, on est débiles, là. Mais personne veut mourir. Hop, t'es mort. Et ben voilà, yeux de Moro. Il aurait été dégueulasse, jusqu'au bout. Oh là là, heureusement que tout le jeu j'ai gardé mes mines parce que je me disais flemme de les utiliser. Incroyable. On s'est tellement refait. Bon, on va tout fouiller calmement. On s'en est plutôt bien sorti. Oh, il y avait ça, dites donc. Voilà, ça c'est pour le spectacle. C'est le côté un peu pyrotechnique de l'épisode. Voilà, ça fait plaisir, c'est bébé qui régale. Bon. Pourquoi par contre il y a des fils. Je pensais qu'on pouvait le prendre en vrai le tuyau, tu vois, ou pas. Mais non, mes couilles. Voilà, excusez-moi de cette vulgarité, mais il y a des choses à dire, et ça, je le dis, mes couilles. Voilà, c'est dit, ça choque quelqu'un ici ou pas? Non, et ben je le redis, mes couilles. Voilà, mes couilles. Je me suis gouré. Ok. Bon, bah, il n'y a vraiment plus rien à fouiller, je crois. De toute évidence. Peut-être monter ici, mais non, mais même pas. En fait, tu as vraiment rien à... Bon, on sait jamais. Oui, voilà. Forcément, fallait que ça soit voué à l'échec une dernière fois. Très bien, très bien, très bien. Ben voilà, c'est une bonne chose de fait. Normalement, il est mort, étant donné qu'on a... La sortie est un peu plus loin. La récompense, sans déconner, Ethan. Arrête de me prendre pour un con, Ethan. Allez, on est parti. Ah, c'était là le bout du tunnel, non? Bah oui, bah oui. On va reload tout ça. J'ai plus qu'une balle de snipe. Et j'ai une clé, mais est-ce que ça suffira? C'est la question que la France se pose, les amis. Bah oui. Clé à 4L? Ah, bah oui, il en faut 6. Bah, c'était évident. Qu'est-ce que je suis con. Ah, bah on est de l'autre côté. Alors. Ah bah, cadou. Ce truc est vivant? Ouais, tu poses trop de questions. Oh, toujours plus les clés, hein. Je t'ai peut-être sous-estimé. C'est qui? Oh, arrête. On s'est vu tout à l'heure. Enfin, peu importe. Bah, la télé, elle a un micro, hein. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça? Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les quatre bocaux? Où tu veux en venir? Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer? On ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y et prends mon bocal. Fais ça et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Ouais, pauvre connard. Ouais, bien joué, Ethan. Dis-lui, connard. Je suis pas venu ici pour souffrir. Ok. Et là, on peut pas passer par là. C'est-à-dire qu'on fait des cascades à peu près tout le long du jeu. Et toi... Oh. Incroyable. Non, mais ils ont pensé, genre, on peut l'abîmer. C'est bizarre. Voilà, c'est une balle de gâchée, ça, je reconnais. Ok, c'est pas grave. Casse l'indienne, comme on dit. Hop. Allez, la clé des ciselles. Bon, il nous reste un boss, et après, je suppose qu'il nous reste Mère Miranda. Je sais pas pourquoi je l'ai dit avec cet accent, parce que je trouvais ça giga stylé, en vrai, il faut le dire. On a un trésor à droite, bah oui.
comme un oiseau sans aile. J'ai envie de chanter en ce moment. Oh oh, j'ai pleuré toute la nuit. Et ben voilà. Et on n'a plus rien à faire ici. Oh là là, je suis une machine de guerre. Mais j'ai pas peur de vous le dire, moi. Je vous le dis, je le redis d'ailleurs. Une machine de guerre. Ok. Oh, je me suis retourné en 360, j'ai dégueulé. Allez, on est parti. Hop, là, y a rien, mon pote. Ça commence à me gonfler de me gourer de chemin. Bon, on a eu le trésor ici. Comment? Il y a un trésor aussi ici. Après, où il est? Eh ben, mon frère, on va chercher. Comme tout le monde, il est bientôt là. Alors, où est le trésor? Eh, il y avait une manivelle derrière, outre que le... Le moulin, non? Je ne sais plus. Le doute m'habite une nouvelle fois. Là, il y a forcément un bail. Là, y a... Là, on arrive dans une zone rouge. Hein. Y a forcément un petit bail, tu vois. Désolé, on va mettre un petit peu de temps. Il faut chercher. On fait bien les choses ici, d'accord? J'essaye de localiser... Forcément un truc, il est dans l'arbre. Si vous le voyez, vous criez en commentaire, hein. D'ailleurs, s'il vous plaît, alors, je lis vos conseils, c'est très sympa, mais évitez les conseils à spoil ou autre, d'accord, hein, vous êtes très sympa, mais vous savez que bah, je ne lis pas, finalement, parce que je veux vivre l'aventure par moi-même, n'est-ce pas? Et vous êtes gentil, mais des fois, dans vos conseils, bah, vous sortez des petits spoils. Et c'est pas très cool pour la commu, t'as vu? Comme un oiseau sans aile. J'ai pleuré toute la nuit. Bah alors, c'est où les potes? Peut-être ici, je ne sais pas. Il reste forcément un truc à prendre. Mais alors quoi? Oh, c'est chiant, c'est chiant. Il reste un truc à prendre, j'ai aucune putain de... Oh. Je sais pas. Écoutez, là, je ne vois pas. Tant pis. Quoi? Oh non, mais c'est... Ah ouais, bah je regarde partout, sauf là. C'était... C'était tellement évident, je veux dire. Une brindille. Une brindille. Incroyable. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Même si j'en veux à énormément de gens de tout ce qui vient de se passer là. Mais c'est pas grave, on survivra. Très bien. Allez, il est temps de sortir enfin de cette... Merda. Pourquoi il y a un event ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Labyrinthe, d'accord. Ok. Pas ouf niveau labyrinthe. Allez, on se casse. On se casse, on save. Et il est temps de mettre fin à cet épisode. Et vous savez quoi? On va même mettre fin à cet épisode. Et bien maintenant. Merci à tous ceux qui mettent un like et un commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Ciao, ciao.